Alors écoutez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Hop là. Eh ben bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Petite matinée de jeu, du Stardew Valley, puis du Arx Fatalis. Et puis au plus tard, à 13h, je vous quitte, je vous prends un relais de chaîne chez je sais pas qui. Parce que je suis pas là du week-end. Là j'ai juste le matin, ce samedi matin, week-end jeu vidéo. Ah mon Dieu! Je me souviens même plus de mes anciens persos. Mais plus du tout. J'ai dû y jouer il y a. Wouh! La dernière fois c'était avec Olive, j'étais en coop avec un autre perso. Et là depuis que je me lance en solo régulièrement avec Samantha, j'ai du mal à. Je me souviens plus de ce que j'ai vécu. En plus je connais pas les événements aléatoires de Stardew Valley. Ah ça se joue à la manette. Merde. Attendez, une manette que j'avais laissée honteusement au sol, qui était tombée la veille. Moi, je n'ai même plus qu'à être de bon périphérique de jeu, dis donc. Oh merde. Excusez-moi. Alors, oula, j'ai de la récolte et j'ai du arrosage à faire. Je ne sais plus comment on joue, au secours! Oui, c'est comme ça qu'on fait. Hop là, hop là, hop là. Attends, je peux pas. Je peux pas tout mettre d'un coup. Oh, doit y avoir moyen, non? Oui, voilà, comme ça, ok. C'est le bouton du bas qui. Qui joyeusement. L'équivalent de la croix. Alors qui est quoi? Qu'est-ce que qui est quoi que je sais plus. Mais alors plus du tout. Ça va faire plus. Oui, ça va peut-être faire plus d'un mois que j'ai pu jouer à Stardew Valley. J'ai déjà tout oublié. Il me faut l'arrosoir, 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 l'arrosoir. L'arrosoir. Voilà, la semaine va être sport. Alors je joue ma semaine virtuelle hein, du lundi au dimanche inclus. Je sais pas ce que ça va donner. Je pense que j'en ai pour une grosse heure et demie temps réel à faire la semaine Stardew Valley. Alors que sonnent les 9h du matin, temps réel, je précise. Merde, vide. Ah, dommage. Ah ouais, j'allais dire me rester une parcelle. Non, c'est faux, parce qu'il y a ce que j'ai sur le côté... voilà, sur le côté gauche. Alors, vive l'arrosage automatique. Je sais que ça existe. C'est à la fin du jeu. Ça doit coûter une blinde. Je me souviens de ce que m'avait dit dans les grandes lignes Olive. Attendez, j'ai plus de graines, mais j'ai de la thune. Il faut que j'aille acheter des graines, en fait. Alors, je vais aller me ruiner en graines chez le marchand qui est assez proche de mon exploitation. Oh là là. Oui, pardon si je présente mal à la caméra, que je suis penché en avant et pas bien calé au fond de mon siège. Il fait tellement chaud que j'ai peur d'avoir le dos qui sue. Et du coup, je suis décadré par rapport à la webcam, je suis désolé. Mais l'été fait que...
Sinon, je survis pas. Je sais pas, oui, je vais faire des choux frisés. Ouais, tant pis, je me ruine en choux frisés. Ah oui, attention, 6 jours. Ah oui, il faut que je gère les jours aussi. Alors attends, je vais en garder 20. On est le 22. Merde, c'est la dernière semaine. Oh, bah, j'ai eu chaud. Heureusement que j'ai pas cliqué sur un truc qui demande 15 jours de croissance. Parce que à chaque saison, les cultures sont balayées. Je sais plus, et puis je crois qu'il y a 2-3 végétaux qui passent d'une saison à l'autre, mais ils sont particuliers. Alors attendez. Là, je vais planter. Merde. Ah bon? Oula. J'ai des actions de touche qui me perturbent. Ouais, je peux faire usage de la houe. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il y a le chien? Ah oui merde, j'avais tout oublié, faut que je te donne de la flotte dans ta gamelle, toi. Alors que t'es en train de courir dans les herbes, là, je sais pas ce que tu fais, tu les piétines. J'espère qu'il fait pas ça avec mes cultures, sinon je lui laisse la marque de mes semelles au niveau de son arrière-train. Qu'est-ce qu'il s'amuse à piétiner les herbes? Ah, je me souviens du chien qui m'avait empêché de me pioter. Qui m'avait bloqué l'accès à mon plumard. Ça a fait l'objet d'un clip, hein. Ceux qui sont fidèles à ma chaîne, vous verrez bientôt la séquence dans une compile. Voilà, j'ai l'impression d'avoir fini ma journée en arrosant le champ, mais non. Il y a toujours quelque chose à faire en Stardew Valley. Quoi, je sais pas, mais... Wouah, j'ai les coffres là aussi. C'est quoi ça? Ah, une fenêtre barricadée, j'ai cru que c'était une caisse. Mais de mauvaise facture. Il y a la télé, il y a des infos aussi. Mais non, je vais pas aller me pioter. Demain, il fera beau. Merde, donc demain, faut arroser. Il reste la moitié de mon énergie. Je fais quoi? Je rencontre les gens du village. Ah, attends, j'ai des trucs à faire. J'ai à défricher quand même. J'ai des merdes sur le terrain. Ah oui, j'avais déblayé les petites merdes. Mais les grosses. J'ai pas le niveau, je crois. Merde, j'ai peut-être dégommé des pousses d'arbustes. C'est pas malin. Je sais plus jouer, au secours. Oh là là. J'ai rien hein, dans ma grotte, hein, je crois. Ouais. Un jour, il y aura je sais pas quoi. Non mais je vais me promener au village parce que là je perds entre guillemets bêtement mon temps. Je pense que je connais à peine la moitié de la populace locale. Tiens, on dirait que la route est imparfaite avec des pavés qui manquent. Il n'y a pas un travail à faire. Ah, mais c'est le maire! Bonne saison pour commencer à penser au jardinage, même pour nous non-agriculteurs. Pas d'annonce. Quoi, chez Pierre? Oui, non, chez Pierre. En bas à droite, là, je flippais. Ah oui, vous voyez pas, il y a ma webcam, pardon. Dans l'habillage, mais c'était bizarre. Ah, j'ai gagné une fleur. Il y a la miss. Ah, qui c'est toi? Bonjour, tu fais une petite pause? Bah oui, oh. J'ai le droit aussi de souffler un peu, ma grande. Allez, ma roundelle. Tiens, ouais. C'est horrible, j'ai le réflexe de Stardew Valley.
d'olive qui tue, maintenant qu'elle m'a appris le coup fouillé dans les poubelles. Allez, go. Bon, j'ai gagné des lunettes cassées. Je sais pas ce que je vais en faire. Je suis persuadé que rien ne se jette. Mais après savoir à quoi sert à quoi, c'est pas toujours évident. Est-ce que je... Ah oui, je peux planter un arbre, dis donc. Eh, c'est pas con, ça. Surtout quand vient la mauvaise saison qu'est l'hiver. Si j'ai planté des arbres dans tout le patelin, en dehors même de mon terrain, ça pourrait me faire de la... du bois à gogo. C'est pas con, ça. Il faut que je garde ça dans un coin de ma tête. Un petit coquillage. Ah oui, il faut donner des coups de houe là-dedans. Les trois petits verres de mes deux là. Mais non, mais. Merci. C'est quoi ça déjà? Avec dans un morceau de bois, ça devrait être préparé. Et ben voilà, les morceaux de bois, ils vont venir de la découpe de ce que j'aurais planté, la découpe qui sera en hiver. Je suis sûr qu'il y a moyen d'exploiter intelligemment la saison morte. Je suis moi-même nouveau dans ce village, mais je me sens vraiment chez moi. Ah, pardon. Merde, excusez-moi. Alors j'ai la fraîcheur de ma douche du matin qui se s'entrechoque avec la lourdeur qu'il y a déjà dans mon salon à 9h du mat. Voilà pourquoi j'éternue. Je vais m'égarer, je vais me paumer, vous allez voir, ça va être une catastrophe. Ah, il y a du monde ici. Ah, et oh, ils sont en couple. Malo met parfois au labo, c'est une brave petite. Et ça, c'est madame qui me snob. Ah non. Tu sais, j'ai construit notre maison moi-même. Oh, mais ça m'étonne pas, c'est la grande architecte, bûcheronne et décoratrice d'intérieur. Elle fait tout, elle. Elle fait tout. Je sais pas comment on répare le toit là. Le pont. Oui, alors là, autant dire que il m'a fait comprendre le petit bleu bartois. Ça, je sais plus ce que c'est. Ah, c'est la mine. Ah, votre pioche est pas assez solide pour casser ça. Ouais, tu m'étonnes. Hors service. Oh là 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 là! Il y en a des choses à remettre en état. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Oh bah c'est la totale. C'est la totale. Génial. Merde, il est 19h20. Faut déjà que j'entre chez moi, que je retrouve le chemin. Alors je pense que je vais aller à fond sur la gauche. Vu comment je suis décalé à me promener. Eh, pas mal. Non, je retombe déjà dans la... Oh, cool! Oh, je me voyais pas aussi près. Ah oui, merde! C'est vrai que j'avais programmé l'option des monstres de nuit. Il faut que je fasse gaffe, la nuit, il peut y avoir du peuple qui me... Ce sera drôle quand je serai puissant dans très longtemps. Là, c'est pas drôle du tout. Mais l'idée de patater des ennemis de nuit sera pas désagréable. Je peux. Voilà, je sais pas quoi faire de mes trucs. Et ma journée est déjà finie. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Ah, il faudra peut-être que je me tente à la pêche aussi. Je sais plus si j'ai une canne à pêche. Je crois qu'ils en donnent une par défaut dès le début, non?
Ah, je suis peut-être pas parti à la rencontre du pêcheur, merde. Ta gueule, le coq. Ah, de la lecture, on voit que c'est le début. Alors, bonjour Samantha, demain nous nous réunissons tous pour la danse des fleurs. Oh, il y a déjà un événement spécial. Si vous pouvez trouver un ou une partenaire, vous pourriez participer vous aussi à la danse. J'ai pas du tout envie de danser. Il y a une petite clairière au-delà de la forêt, à l'ouest du village, où nous organiserons la danse. Venez entre 9 et 14 heures, si vous êtes intéressé. Alors, est-ce que c'est grave si je snob la danse des fleurs? Surtout que c'est le matin. Pardon, mais le matin, j'entretiens méchant. Merde! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh le con! Oh là là! Oh là 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 là, j'ai du mal à la manette de faire dans la bonne ligne, dans la bonne case. Ah! J'ai les petits vers de la muerte là qui m'attendent. Oh bien, deux graines. Sympa. Ça me dédommage presque de ma casse débile de... Alors, je vais peut-être pas les planter maintenant puisque j'approche de la fin de saison. Putain, le chien m'a fait peur. Je me dis, c'est quoi qui s'avançait vers moi? Ah, il faut pas que j'oublie de donner de la flotte dans sa gamelle. Comment ça se passe quand tu maltraites ton animal et que tu oublies de lui donner à boire? Il crève? T'as une saisie de la SPA? Tu te fais conspuer par les gens du village? Ton chien devient agressif envers toi, il te mord. Hein? Le Rex là. J'ai plus. Ah non, je l'appelais Canigou, je crois. En clin d'œil à Fallout. Parce que Rex, c'est tellement classique et puis ça fait référence à la série allemande. Enfin, je crois. Oui, t'es un bon chien, t'es un bon gardien. C'est rigolo le coup d'avoir un berger allemand. Je sais plus c'est quoi les autres races de chiens. Mais berger allemand, ça. Alors ça me rappelle des bons souvenirs, pourquoi? Parce que berger allemand, alors c'est pas moi qui avais le berger allemand, mais quand j'étais gosse, j'avais mon oncle, Robert, qui lui aussi aujourd'hui de petites ailes dans le dos. Il avait justement une femelle berger allemand. J'avais un lien très particulier avec cette chienne parce que il fallait surtout pas m'approcher. Elle gueulait, je sais pas, son instinct maternel qui transcendait les espèces, si je puis dire. Et je me souviens que mon oncle, quand j'étais plus grand, m'avait raconté qu'il fallait surtout pas tenter de m'approcher si elle était à côté de moi. Elle voulait avoir l'exclusivité de me, je sais pas, de me garder. Elle devenait vilaine, hein, il paraît. Elle a eu plus d'une tannée parce qu'elle exagérait. Enfin bref, ça c'est des souvenirs d'enfance. Et depuis, je crois que j'ai jamais eu de contact régulier avec un chien. Je suis plus chat, hein, comme vous le savez, moi. Mais bon, c'est ainsi. Ah, c'est pas con, bois. Ah bah oui, il m'en faut 400. Oh la vache. Eh, hey, attends. J'ai pas des graines de d'arbres. Que je les plante dans le village. Ah oh non, j'ai rien. Ah, par contre, j'ai une canne à pêche. Ah bah attendez, je vais tenter la canne à pêche. Je vais tenter dans mon propre point d'eau. Oula, je vais être une buse. Je vais pas réussir à faire quoi que ce soit. Ok, génial, journal des trempés. Ça démarre très mal. C'est là où je vais apprendre que mon point d'eau est un cloque. Putride.
Oh non, mais je pêche que de la merde. Mais non, mais c'est dégueulasse. Je peux pas avoir un poisson. Ou alors c'est le lieu qui est pas bon. Bah alors. Trois ans plus tard. Non mais je... Ah, ça y est, j'ai quelque... Oh bon. Génial, j'ai gagné du soda. Je peux peut-être boire. Allez, là, elle s'empoisonne. Oui, eh ben, tu peux pas... Ouais, tu peux pas boire. Ah, j'ai gagné un petit peu d'énergie, comme quoi. J'avais un autre point d'eau à l'angle. Ouais, il est peut-être meilleur, celui-là, non? Vas-y, vois que j'essaye. Ah! Merde, je fais déjà pas ce qu'il faut. Ok. Je crois que celui-là m'est offert. Je pense que le jeu a été indulgent. Oh, une jolie carpe. Le jeu a dû avoir pitié de moi, je pense. Ah, Max. Max Lemunes. Oh. Merde, oh, je voulais tirer. Enfin, c'est pas grave. Parce que le long de la berge, sur la rive, c'est pas très. Encore que symboliquement, ça reste un plan d'eau. Génial, des déchets, magnifique. Je suis en joie. Lunettes cassées. Bon, je vais arrêter la pêche, là, c'est un carnage. Je suis heureux d'avoir une belle carpe symbolique. Je pense que c'est la carpe de la persévérance. Quoi faire? Ah oui, attendez, j'ai un coffre là aussi. Ah, bah j'ai des graines. Oh là là, oui, attendez. Attendez. Ouais, je vais laisser la canne là. On s'en fout. Non, on s'en fout pas. Mais... Je vais planter un max de d'arbres dans le patelin. Attendez voir. Je vais investir dans l'avenir. Bah, même là, je peux en mettre. Ah ouais, ça m'intéresse. Ah ouais, attends, je vais planter des arbres partout, moi. Là où c'est jaune, je peux. Eh ben, on va se gêner. Allez, blanc, vas-y. Ah non, merde, là, je peux pas. Oui, tu me diras, c'est le haut du tableau. Ça se lit. Bon, ça, c'est les érables. Ah, je peux même... Dans le chemin, c'est peut-être un peu abusé. Route barrée, un chêne a poussé ici. c'est bien pensé. J'avoue que c'est bien pensé. Oh, je vais en mettre partout. Salut gamin. Attends, c'est un chemin ça? Mais non, c'est même pas un chemin, c'est un parc pour jouer. Fini de jouer le mioche. Ça va devenir une forêt. Ah, rien à péter, tira jouer au football ailleurs, le... Je sais pas comment il s'appelle. Oh là, puis il y a une blonde. Eh oh, dis donc. L'autre, elle a marché sur ma graine, elle a fait du foot avec. Vilaine fille. Oh merde, si les habitants peuvent déterrer et défaire ce que je fais, ça me plaît pas. Oh l'autre. Cette nonchalance, ce mépris pour la nature, bouh vilaine.
Attendez, il faut que je plante mes trucs là où les gens passent pas. Ah bah non, je suis débile. Là, les gens vont passer. Bon, tant pis. Oui, je me disais bien que j'avais une fleur. Hey, dans les recoins, il y a du peuple. Hein. Salut, beau gosse. Mais ils se sont de téléphone. Ah oui, merde, je lui ai donné un coup. Ah, il l'a pris pour un cadeau, parce que je l'avais en main. Ah, oh, je voulais lui parler, pas lui donner un gland. Il pourrait mal l'interpréter. Ah, mon Dieu. Ah, bah, c'est mieux ici. Ah, bah, la prochaine fois, je viendrai planter mes graines ici. Comme ça, il y aura 650 milliards d'arbres. Là, je regrette même de ne pas avoir ma canne à pêche. Ah, des... Oh! Ah oui, il y a la prairie aussi, il faut que j'aille me promener. Putain, c'est dommage que j'ai plus d'énergie parce que j'aurais bien aimé bûcheronner. Oh, l'eau a l'air bizarre. Ah non, c'est parce que c'était le bord. Bon, ben là, il n'y a rien. On me laisse tomber. Là, je suis en train de m'égarer dans les bois. Non, ben, ma journée est officiellement terminée. Je vais ranger ma cueillette dans le. Dans le coffre extérieur, et puis... Ah oh oh, j'avais pas vu la fusion des vers avec les végétaux. Oh, bah d'accord, j'ai mis un caillou. Attends, le chien, tu me fais peur. Je t'ai donné à boire, hein. Ouais. Il m'a foutu des jetons. J'ai cru que je l'avais oublié. Et qu'il réclamait. Ah non, j'ai un truc qui me bloque derrière la baraque. Je pensais pouvoir faire le tour, mais j'ai pas le droit. Oh merde. Comment on fait déjà des caisses? Il faut beaucoup de bois, hein, je crois. Ah mais j'en ai beaucoup. Eh, je pourrais réparer le truc. Comment ça se fait que j'ai autant de bois, moi? Ah. Ou alors je fais des boîtes. Ah, comment on fait les boîtes, je sais plus. Ouais, je crois que c'est dans Start, dans le menu. Ah, j'ai déjà des compétences. Il y a des personnes qui commencent à m'apprécier. Attends, c'est là-dedans. Ah oui, c'est le marteau, l'artisanat, je crois. Voilà. Et les boîtes, c'est quoi? 50 de bois. Eh bah, je vais me faire plusieurs boîtes. Comme ça. Eh oui, alors là, oh, je peux m'en faire 8. Oh, le pont attendra. Allez, je m'en fais 4. Je me fais 4 boîtes. Merde. Que je vais mettre là. Tant pis pour les végétaux qui dansent. Au moins, ça me fera un stockage extérieur. C'est obligé que ça va me servir parce que, vu les trucs que je cumule dans mes premiers coffres. Ah, c'est pas con. Mais je commence à comprendre ce que j'ai voulu faire. Ah. Alors, attendez. Ça, il faudrait que je le mette en extérieur. Ah oui, mais ça, c'est la mer. Donc, c'est du. Ah, ça va pas, mon truc. Ça. Ah, puis merde, mon. Non, 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 allez, jette pas! Mon inventaire est déjà... Est déjà plein. Voilà, ça c'est du... Voilà. Ça c'est les trucs de la mer. Ah, je mets les déchets là-dedans. Ouais, mais ça c'est pas du verre, ça. Putain, mais j'ai même un truc de... Oh là 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 là. Ouais, bah attends, je vais au dodo et puis... Ouais. Au petit matin, je mets ça dans mon coffre. D'ailleurs, je bois un coup. Oh merde. Oui, mais là, je suis couillonné, en fait, parce que... Attendez.
c'est la fin de la saison, je peux rien compter puisque... Pourquoi il a pas poussé lui? Ou alors c'est une graine d'autre chose et j'ai merdé? Voilà. Attendez. Alors là je devrais avoir de la tunasse à donf. Mais ouais, de toute façon il faut aller chez le marchand. Alors ce que je peux faire c'est anticiper l'arrosage. Je pense que j'aurais... Bah oui non, j'aurais pas de pénalité si j'arrose avant de planter. L'ordre n'a pas d'importance. J'espère que je la joue bien. Je suis pas sûr de moi, mais... Je fais tout ce qui me semble plus logique dans une exploitation agricole. Ah oui. Commencer dans la forêt, la danse des fleurs. Ok. Alors, est-ce que je vais perdre en social en n'assistant pas à la fête du village, là, des fleurs? Parce que je suis désolé, mais le temps d'entre... Ah merde, mais attends. La fête des fleurs, le magasin est fermé, du coup. Ah, je la sens pas. Ah, je voulais vendre ma production et racheter des graines. Il va me dire qu'il est fermé à cause de la fête des fleurs, le gars. Ah, je vais être deg. Non, pas ça, là. La porte est verrouillée. C'était ça. Merde! Oh, ah, ça m'arrange pas, leur fête de mes deux, là. Mais je vais instaurer la fête de la salade de pissenlit. Tout le monde ira en cueillir dans les champs alentours. Et puis, il ira mes noms et je ferai une salade géante. Là, 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 hein, bon. Ça parle mal. À défaut de les bouffer par la racine. Eh tiens d'ailleurs, ah bah si, il y a un cimetière. Il y a... Je suis passé à côté de 2-3 tombes. Ouais, c'est vraiment le petit patelin. Je suis embêté, vraiment. Là, c'est presque une journée de perdu parce que j'ai arrosé, mais j'ai plus rien à planter. Merde. Ah, ça fait suer, mais vraiment. Ah, puis j'aurais dû regarder le calendrier sur l'aventure du magasin. Non, bah, je vais aller à leur fête des fleurs de mes deux, là. Je vais balancer dans mon coffre mon butin du jour. Merde, comment on fait? Ah oui, comme ça. Merde, j'ai arrosé pour rien. Oh, je suis deg. Remarque, j'ai de l'énergie encore. Je pourrais... Ah, c'est automatique. Ok, bon. C'est un moindre mal. Ce que j'allais dire, sinon j'étais dans les champs à couper du bois sauvage. Oula, il m'emmène où, lui? Eh, c'est un marathon. Oh, c'est mignon. Magasin. Un bac à fleurs.
Ah merde, j'aurais pu lui vendre ma... Oui, mais je savais pas qu'il était là, lui. J'aurais pu lui... Décoration murale, oh putain. Un épouvantail de collection. Putain, il est hors de prix. Non, mais t'es fou, toi. Il est rigolo, hein, mais il est hors de prix. Ah, recette. Recette du bac à fleurs. Ah, c'est intéressant, ça. Fleurs plantées dans un tonneau en chêne, floraison au printemps et en été. Ah. Quel serait l'intérêt pour moi? Est-ce que... Attends, des bacs à fleurs. Est-ce qu'il y a une mécanique du genre ça attire les abeilles et on peut avoir du miel avec une ruche? Quel est l'intérêt du bac à fleurs? À part embellir, évidemment. À moins que je puisse vendre les fleurs après. Ah, alors je sais pas. Attends, graines de fleurs tropicales. Pavot, zinnia, tulipe. Ah, je la sens pas. J'ai peur de claquer 1000 balles que je vais pas investir tout de suite. Enfin, réinvestir tout de suite. Fleurs plantées dans un tonneau en chêne, floraison au printemps, en été. Non, il n'y a pas de gain, c'est juste pour embellir en fait. Bah, je vais. Ah, décoration change au fil des saisons. Décor saisonnier, plante saisonnière, plante saisonnière, bac à fleurs. Je vais en acheter un, juste pour tester. Et on verra ce que ça m'apporte au monde. Oh, salut toi. Piou, je suis calé. Et est-ce que tu as essayé la gelée rouge? Ah, miam. Je me demande si Minnie accepterait de danser avec moi. Oh, il a des vues le cochon. Il a raison. Oula, il y en a du monde ici. Je cherche le courage de demander à quelqu'un de danser avec moi. J'aime bien danser, mais cette fête est un peu trop grindée à mon goût. Enfin, guindée. Cependant, les personnes âgées adorent ça. Déglutie. Je suis tellement nerveuse. Oula. Ah, mais il y a le... L'ermite. Oh, salut, toi. C'est gentil de ta part de venir tenir compagnie. Le printemps touche à sa fin, quel dommage. Ouais, bah. Ah, c'est ça les bacs à fleurs. Ah, d'accord, ça a de la gueule. Soupir, il y a de l'amour dans l'air et je suis toujours célibataire. Ah, c'est mignon! Marnie est ravissante aujourd'hui. Ah, oh, bah alors. Il y a des coups qui se perdent là. J'ai apprécié la beauté du paysage. Oui, tu mates la blonde, oui, c'est ça que tu veux dire. Je répète mes pas de danse, tout doit être parfait. Ouh là là, c'est la poupée Barbie du village, elle. Très cliché. Bien, devrions-nous commencer à danser maintenant? Non, attends, j'ai pas parlé à tout le monde. Des fleurs, je peux à peine les voir. Ah bah, achète-toi des lunettes, mon grand. Je travaille sur ces arrangements floraux depuis une semaine. Comment tu les trouves? Oh, mais magnifique, mamie Nova, pas de l'espace. C'est pas juste, pourquoi je peux pas être la reine des fleurs? Ah, c'est trop mignon! Ah, qu'il est con! Ah, il est trop choupinou! Un jour, je serai la reine des fleurs. Ah, j'en doute pas, ma grande. Je n'en doute pas. Non, je n'aurais pas parlé à eux. Ah, mais il y a du monde dans le village, on dirait pas. Ah, l'air sent si bon avec l'arôme de toutes ces fleurs. Ah, c'est marrant quand elle dit ça, ça me rappelle une anecdote réelle de. Bonjour, Torota! Oui, je vais bien! Merci, j'espère que toi aussi. Petite matinée de jeu hein, pour moi. Puis après je vous abandonnerai le restant du week-end, je serai pas là. Mais j'espère que tu vas bien aussi. Merci. Oui, le parfum de fleurs, l'île d'Oléron. Mais vraiment, on l'appelle l'île aux fleurs. Ouais, ça va bien, c'est cool. L'île aux fleurs, l'île d'Oléron, j'y suis allé une fois en vacances d'été il y a 10 ans de ça. Oh merde, j'avais pas vu, mais... Hein? Oh non, j'avais une merdouille sur ma manette. Je croyais que je l'avais baignée, mais non, elle avait une merdouille sur elle. Pardon. Mon propos est complètement décousu. L'île aux fleurs, l'île d'Oléron, ça sent vraiment bon. Mais vraiment, le matin à l'aube, à 7-8 heures du mat, vous ouvrez vos fenêtres et vous allez dans les rues adjacentes du patelin. Ça sent vraiment un parfum de fleurs. C'est waouh! C'est magique. Par contre, faut pas être allergique. Alors, est-ce que tu vas danser aujourd'hui, Samantha? Elle se marre, la vilaine. Salut Samantha, contente de te voir ici. Ah merde! Il fallait que j'insiste pour. D'accord, il fallait que je reclique pour demander à être. Mais non, mais je vais pas demander à une. Enfin.
Est-ce que c'est... Attends, les coupes de danse, c'est mixte ou ça peut être homo... Je me comprends. J'ai mis ma plus belle chemise pour cette danse, ce genre d'événement n'arrive pas très souvent. Bah une fois par an, je crois savoir, non? C'est une sauce excellente, aval. Tiens, tu veux pas être mon partenaire? Ah, ce truc vert est effacé. Miam, mange. Oh. Oui, demandez à Shane d'être votre partenaire de danse. Allez, le mal rasé. Non. Oh, bon bah, tire à te faire voir. Ça, c'est la belle vie. Je la connais, elle. N'est-ce pas? Un bon vin doux, le ruisseau donne un l'air chaud, expansionné, mentionné. Ok, elle, c'est la bonne vivante qui picole. Ah, c'est le pêcheur, lui. Oui, j'aurais dû apporter ma canne à pêche, tu m'étonnes. Lui, il me dit quelque chose. Je sais plus qui c'est, mais sa tête me dit quelque chose. La saison des grenouilles démarre fort. Ah, mais c'est le tenancier du bar! Je me disais, mais c'est le chauffeur de bus, là, du bus cassé ou quoi? Eh oh, l'autre, elle est en train de me serrer. Mais je fais comment pour me barrer? Eh non, tu... Ah, j'ai peur. Putain, j'ai cru qu'elle m'avait bloqué, l'autre. Tu sais quoi, j'avoue, j'aime beaucoup les fleurs. Ah! Le blondinet aime les fleurs. Eh ben, je saurais quoi lui offrir. Tiens, tu veux être mon partenaire de danse, beau gosse? Je sais pas, peut-être l'année prochaine. Ah, ah, ah! Il n'est pas complètement fermé à l'idée de danser avec moi. Oh. Comment ça, journal mis à jour? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est où le journal? J'ai eu une alerte. J'ai pas compris. C'est quoi? C'est ça le journal? Organisé, non? Journal mis à jour, je sais pas pourquoi. Mais c'est passé un truc. J'aime pas danser devant tout le monde, c'est tellement humiliant. Oh, mais non. Sébastien est mon partenaire de danse. Non, je veux danser avec quelqu'un d'autre. C'est le mode d'être clair. Oula, c'est un pudding à la gelée de framboise, là, ou quoi? Putain, le machin, il danse au vent tellement qu'il est flasque. Par contre, le poulet, je dirais pas non. Avec de la bonne sauce curry. Ah, le petit go... Eh, le mioche, il est rigolo. Non, bah, allez, je vais arrêter de le poursuivre parce qu'on va me prendre pour un pervers. Enfin, pervers, vu que j'incarne une femme. Bon, allez, on va lancer la fête, les gars. J'ai salué tout le monde. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui, allez, go. Donc, du coup, j'ai pas de partenaire, je danse pas. On est d'accord. Je me vois pas dedans. Ah oui, je suis à l'angle en haut. On me voit pas à cause de l'habillage de chaîne, mais je suis en haut à gauche. Oh, c'est mignon. Ils font la danse d'Hélène, ils font un tour sur eux-mêmes. Bonjour, Dachelman. On dirait une tête de poule, la gélatine. Ah, j'ai pas fait gaffe. Enfin, je l'ai pas lu comme ça. C'est mignon. Ah, c'est trop mignon. C'est mignon. Bon, ça va tranquillou. Merci, Nash. J'espère que toi aussi. Je fais ma petite matinée peinard de jeu, là, avant de vous abandonner vers les 12-13 heures. Voilà. J'espère que t'as pu profiter de tes vacances et te relaxer, Nash. J'ai compris que t'avais besoin de débrancher, décompresser. D'ailleurs, de ce qu'on a en commun, peut-être que dimanche dans... Alors, pas demain, je suis pas là, mais dimanche dans 8 jours, peut-être que, comme on a fait du camion récemment, peut-être que je ferai un dimanche après-midi spécial The Elder Scrolls Online, qu'on se retrouve ensemble. Enfin, pour ceux que ça intéresse, vous grefferez à moi. Pas sûr sûr, mais la probabilité est élevée. On va dire que dimanche après-midi, je fasse du Tezo. Ah, il y a la promenade aussi. Il faudra que je vois avec... Ah oui, c'est vrai que j'ai des promenades à commenter avec vous, avec Sinayonella. À voir, on verra. Besoin pas forcément, tu me dis, Nash. C'est juste que j'étais à l'étranger pendant 10 jours. Oh! Bah au moins, ça change les idées, c'est bien. J'espère que ça s'est bien passé. Alors, pardon, je reviens à Stardew Valley, hein, mais je vous lirai évidemment dans le chat, vous en faites pas. Stardew Valley dit, c'est très... Oui, c'était très amusant, il est temps de rentrer à la maison. Oui, mais quelle heure il est? Il est 22h, ok. Je vais filer dormir. Non, attends, j'ai mon bac à fleurs. Est-ce que je peux le mettre à l'intérieur, mon bac à fleurs? Ça peut être trop mignon, un bac à fleurs à l'intérieur. Waouh, trop bien.
stylé. Oh, Gwen Horn, earn 15 000. Oula, j'ai déverrouillé des trucs. Ah oui, et puis j'ai un truc dans le journal social, il faudra que je lise. Qu'il y a eu durant la danse des fleurs. Niveau 5, agriculture, choisissez une profession. Éleveur de bétail. Le produit d'origine animale valent 20%. Ah, les produits d'origine animale valent 20% de plus. Ou cultivateur. Les récoltes valent 10% de plus. Oh, je vais faire cultivateur. Eh, bétail, je suis pas prêt d'avoir du bétail, moi. Faut arrêter. Ton retard est pour un H. Ça va après 3 Fortnite. Ah, il y en a qui jouent à Fortnite ici. Ah, sur le live de Bastos, on s'est régalé. Ah, c'est bien, vous avez fait Fortnite avec Bastos. Ah, bah c'est bien ça. Ah, ah merde, j'ai loupé ça. Ah, merde. Ah, c'est vrai que je fais plus trop attention à qui en direct le soir. Là, en ce moment, le soir, je me détache de mon ordi pour X bricole. Et du coup, je loupe des directs. Je ne regardais plus le live étant sur le jeu. Ouais, ouais. Nashevman, il est tellement plaisant, Stardew Valley. Oui, tu le connais aussi. Il est plein de poésie, il est plein de surprises, Stardew Valley. Je découvre, hein, c'est... Mais il paraît qu'il va avoir une grosse mise à jour de Stardew Valley prochainement. Ils vont rajouter du contenu pour rebattre les cartes et étonner ceux qui ont déjà fini le jeu. Pour relancer justement des parties. Oh là, il y a les extraterrestres. On me la laisse au coupe, toi. Oh mon dieu. La choucoupe volante. Eh, je me suis fait de la tunasse, là. J'ai vu 8000 et quelques en pièces d'or. Ah ouais, mon fils, 15 000. Oh mon dieu. Le compteur de fric, il tremble tellement que j'en ai. C'est énorme. Mais comment je fais pour voir mon journal, moi? J'ai le point d'exclamation qui clignote. C'est à la souris? Ah, c'est peut-être à la souris. Voilà, comment se faire des amis? Offrir des cadeaux est un excellent moyen de fonder des amitiés. Apprenez les goûts de chaque personne et vous deviendrez populaire en un rien de temps. Donner un cadeau à quelqu'un. Eh ben, il y a le beau blond là, il y a le beau gosse. Il aime les fleurs. Je pourrais lui offrir des fleurs au beau mec. Ne t'inquiète pas, on était 4. Bastos, LJ, Morgan Grace et moi-même. Bastos a apprécié, il voudrait refaire des parties de Fortnite. Ah ok, donc j'aurai d'autres épisodes à revoir. Bien. Ah bah c'est cool, si vous êtes tous éclatés, c'est la bonne nouvelle. Ah oui, merde. Ah, je m'étais fait entuber avec la fête des fleurs. J'avais préparé mon terrain pour cultiver, j'avais tout arrosé et le magasin était fermé. Ah, je suis deg. Comment j'ai perdu mon énergie pour rien, là. Alors attends, ça, faut que je l'arrose. Mais je vais me faire entuber par la fin de saison. On est le 25. Je garde mon fric, en fait. Attends, il faut que j'ai les graines de la saison suivante en magasin, moi. Attendez, alors, je suis au printemps. L'ermite m'a dit que le printemps va se terminer. Donc, il faut que je graine... Il faut que je graine. Il faut que je plante des graines de l'été. Oui, mon chien, il fait bien d'aboyer. Sa gamelle, elle est là-haut. Voilà, canigou, là. La femme canigou. Attendez. Pouah, je fais comment? Alors, si je cueille des fleurs et que je croise le beau blond, là, il faut que je lui donne mes fleurs parce qu'il va être heureux. C'est horrible. J'allais dire si je peux me faire le beau mec, le beau blond. Pour prendre la formule, une certaine race moquette que je chalue. Dommage qu'elle soit pas là, elle pourrait se défendre, mais... Comme elle l'avait si bien dit, pour un mec, j'en ferais bien mon 4 heures. Elle a raison. Alors attends, ne t'inquiète pas. Alors toi, tu dis, comme tu n'étais pas là, le sage, Bastos a eu un raid de followers. Quoi?
Pourquoi bot? C'était incroyable. Oui, c'était marrant. Alors, attends. Le fait qu'il ait 130, un relais de chaîne de 130 personnes réelles, c'est génial. C'est le meilleur que je lui souhaite. Par contre, le fait que tu aies écrit follower bot, ça, c'est inquiétant. Parce que si c'est un escadron de robots qu'il a eu, c'est la pire merde. Et il faut qu'il efface manuellement dans son interface Twitch les comptes associés aux robots pollueurs. Parce que c'est horrible. Mais quand vous êtes victime d'un escadron de robots comme ça en volée, le pire, la mécanique de Twitch est tellement débile que vous pouvez vous faire sanctionner par la plateforme parce qu'il vous soupçonne d'essayer de faire mousser vos chiffres d'audience pour avoir de meilleurs revenus. Il va s'en occuper normalement. Ah merde, donc c'est bien un escadron de robots qu'il a eu. Oh là là, la pire merde qu'on puisse avoir sur Twitch. Ah bah là, je le plains. Ça devrait m'arriver, je serais pas content, surtout dans une semaine où j'aurais pas le temps, vous voyez. Enfin bref, bon courage à Bastos. Je recherche quelqu'un pour m'apporter 20... De quoi? J'accepte pas du tout la quête, hein. Il peut aller se faire voir le mec. Ces minerais de machin. Moi je fais dans les fleurs et les végétaux. Alors, été. Printemps, je m'en fous. Encore que 4 jours. Ah, il me reste peut-être 4 jours. Merde, on est quel jour de la semaine? On est. Au plus tard, on est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je la tente. Allez, je m'achète un peu de panais. Allez, je m'en achète 30. Je vais pas me ruiner en en achetant 30. Ça va me faire une petite plus-value. Alors, les plantes d'été. Non, c'est mort. Printemps, c'est mort. Printemps, c'est mort. Printemps, c'est mort. Printemps, c'est mort. Printemps. Ah merde, il a rien. Ah, il anticipe pas l'été, le mec. Il faut que j'attende vraiment l'été pour avoir les graines. C'est quoi ce papier peint de mauvais goût? Qu'est-ce que c'est que ce papier peint? C'est pour une chambre de gosse. Bonjour, tu ne sais. Oh là, 30 000, non, bien sûr. Ah, je peux voir des arbres fruitiers. 28 jours, au printemps. Abricotier, oranger. Ah, intéressant. En été, en automne. En automne. Attends, il faut 28 jours de pousse. Donc il faut toute une saison pour qu'il pousse. Je vais pas prendre les arbres fruitiers de l'été puisque j'aurai une maigre récolte qu'à la fin, là, si je me lance maintenant. Il faut que je prenne les arbres fruitiers d'automne. Comme ça, il va croître, prendre sa taille adulte tout l'été et à l'automne, j'aurai jackpot. Je pense qu'il faille la jouer comme ça. Hein. Attendez, grenadier, pommier. Le grenadier, apparemment, ça coûte une blinde, donc ça va me rapporter gros. Attendez, porte des fruits à l'automne ne se développe que si les 8 carreaux environnants sont vides. J'ai un grand terrain, je peux faire une partie verger. Oh, qu'est-ce que je fais? Je prends le risque? J'achète un grenadier? Ah, il me repropose à la vente ce que j'avais, les invendus, d'accord. Putain, le grenadier, ça m'intéresse. Torota, tu dis... Alors, j'ai une explication à ça. Après avoir eu tous ces robots qui suivent, j'ai remarqué qu'une personne a été ban 16 000 secondes par Wisebot car c'était une pub pour acheter des follow. Attends. Après avoir eu tout l'escadron de merde, là, j'ai remarqué qu'une personne avait été bannie 16 000 secondes. Ça fait beaucoup d'heures. Parce qu'il y a 3600 secondes dans une heure, donc 16 000 secondes, autant dire qu'il a été banni une demi-journée par Wisebot, car c'était une pub pour acheter des follow, d'accord. C'est le troisième en moins d'un mois, j'ai bien compté. Eh ben, je touche du bois parce que moi, j'en ai pas eu durant ma semaine de diffusion. Hein. J'espère d'ailleurs que jusqu'à midi 13h, je vais pas avoir la poisse sur la fin d'en avoir. Mais, si c'est la période des escadrons de robots de merde, j'ai eu la chance d'y échapper. Merci pour l'info, Torota, c'est très intéressant.
Bien que je vois pas dans le détail tous les aboutissants du bordel, du bazar, pardon, pour parler poliment. Parce que j'ai pas étudié ça en profondeur, mais. Bref. Bon, allez, je suis fou, j'achète un grenadier. Je suis ma boule. Et j'aimerais avoir des graines de DT, moi. Il est marrant, lui. J'aurais l'air minable avec mon bouquet de pissenlit devant le beau gosse, le beau blond. Tiens, voilà des fleurs. C'est là où le mec il va le mal le prendre. Ah là là. Alors, Torota, tu dis t'inquiète pas, je perds ma banne si ça devait se passer en appui, ouais. Ouais, au lieu de. Ouais, merci. Ouais, Torota. Ouais. Surtout si tu as identifié les noms des robots là. Ça, tu m'étonnes que ça m'arrangerait bien que tu puisses les claquer avant qu'ils fassent le mal. Je vois que j'ai perdu de l'imperméabilisant dans mon schmilblick. Attendez, j'en avais là, je crois. Attendez, c'est quoi la boîte là? Ah, engrais. Voilà, rétention. Rétention, rétention, il faut que j'en mette là où c'est vierge. Voilà. Ah merde, j'en ai pas assez. Ah, oh, faudrait que j'en rachète. Et là, je mets des graines de panais. On est jeudi. Oh, ça va être juste. Waouh, je croyais qu'on était mercredi dans le jeu, pas jeudi. Oh merde. Oh bah j'espère que je vais pas perdre ma plantation. Je suis limite, hein. Tant pis, hein, je la tente. Ça m'a pas coûté un bras. Hein. C'est pas de la pure perte, mais c'est. Disons que c'est culotté de ma part. Attends, j'arrose juste ce qu'il faut. Vous allez voir que je vais faire la récolte le dimanche à l'arrache. Ah ouais, j'ai pris des risques là. On verra. On verra si dimanche je peux faire la récolte peinard pépouze. Le chien, il a eu sa gamelle d'eau. Oh, je stresse toujours pour le chien, ouais, c'est bon. Oui, Rex. Enfin non, c'est Canigou que je l'appelais. Oula! Alors mon arbre, il faut pas que je le coupe. Ah bah si je peux le mettre contre la grotte, je vais mettre mes arbres fruitiers contre la grotte. Ah bah non, peut pas être planté ici. Ah oui, il veut 8 cases de livres. Là où il y a l'hôtel bizarre. Pourquoi pas? Attends. Attendez. Trop près d'un autre arbre. Bon bah je vais abattre l'arbre. Tant pis, je pète l'arbre. De toute façon, ça masque le truc en pierre là, l'espèce d'hôtel, statue, je sais pas quoi. Mais c'est bien un hôtel, c'est pas une porte d'accès. Encore que. Eh, on se demande si le truc est pas amovible. On dirait que c'est creusé dans une entrée de grotte. Eh, c'est pas un truc mécanique qui cache une grotte, ça? Le mec abject, enfin la nana abject qui pète le truc à la pioche. Non, je peux pas casser le truc. C'est là où c'est une entrée de grotte secrète, le machin. Ah, bonjour Christella. Oula, il y en a du monde qui arrive. J'espère que tu vas bien, Christella. Oui, tu réponds ça va à Torota. Cool. Alors attendez, je le mets où mon arbre fruitier, moi? Mais. Oh! Ah oui, c'est parce qu'il y a la pousse là. Oh. Merdoum! Mais c'est beaucoup d'espace demandé là. Faut qu'ils arrêtent. Oh non, mais. Attendez, je vais ratisser tout ça. Tant pis, c'est pas grave. J'irai planter le truc ailleurs. Allez, vire-moi tout ça. Bon, là, le terrain il est vierge. Il va pas me dire que c'est trop près d'un autre arbre. Là, c'est bon. Ah! Eh ben, il était temps. Donc, mes arbres fruitiers vont être là. Que je les confonde pas avec des arbres classiques. Ça, j'irais bien le planter dans les bois. Je vous lirai à mon bilan de journée de Stardew Valley. Hein, excusez-moi, dans le chat. Parce que comme l'horloge défile dynamiquement dans le jeu...
C'est horrible à dire, mais après c'est du temps perdu. Merde, je peux pas planter. Ah si, je peux planter. Voilà, je vais planter ça là. Je reviens vers vous dans le chat quand je serai à mon bilan journalier là. Oui, H, coupez ça. J'avais vu du bois. Oui, voilà, il y avait du bois sauvage. Je prends le bois. Le bois, c'est les plein de trucs à faire. J'allais dire, le bois, c'est la vie. C'est exagéré, mais... on n'en est pas loin. Oh, le joli lapinou. Je pense pas qu'on puisse les traquer, quand même. Faut pas déconner. Mais... Ok. Génial, j'ai des fleurs en plus. Oula, faut pas que j'ignore ma récolte. Bon, j'ai plus beaucoup d'énergie, mais en même temps, on arrive à la fin de la journée. C'est du bois, je veux. Je veux du bois, je veux faire 14 milliards de caisses. Comme ça, j'aurai un stockage, entrepôt de tout. Voilà, du bois, du bois, du bois, du bois. Au bord de la rivière, je sais pas si j'aurai du bois de qualité, ce sera plutôt du bois pourri à mon avis. Si le jeu est logique, et visiblement jusqu'à maintenant il a été totalement logique ce jeu. Du bois, bois, touche du bois, ça porte chance, ma grande. Bon, je vais arrêter mes activités physiques parce que là elle va être en PLS la fille. J'ai pas de graines, je vais rentrer au bercail. Je vois pas ce que je peux faire de plus. J'espère que j'ai rien oublié dans ma journée d'exploitation agricole. Qu'est-ce qu'il y a, Canigou? Je t'entends aboyer. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu un truc? Gentil chien. Gentil toutou. Bon, c'est un gros toutou. Au moins, il peut me défendre si je me fais agresser. Alors, je range mes trucs. Eh, pas mal le bois! Ah, je pense que je suis bon en exploitation de bois. J'ai arrosé le bazar. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Il y a peut-être des trucs à récolter en haut du village. Allez, je vais faire un tour rapide avant la nuit. Bonjour, Pop and Ripop. Oula, il y en a du monde. Je vous lis hein, bientôt. Hein. Je vous lis bientôt dans le chat. Il n'y a rien à récolter. Non, la nuit tombe là. Non, je vais... Surtout que j'ai foutu l'option monstre de nuit, alors je vais pas prendre le risque de me faire tabasser de nuit. Ce serait débile. Encore un lapinou! Il s'est planqué dans le buisson. Bonjour JJB. Oh, mais vous êtes adorable à tous vous manifester à moi. Je peux pas rester, mais je pose mon lurk. Merci JJB, bon week-end à toi. C'est adorable, merci tout plein. Oui, j'ai gardé mon réfort sur moi, c'est pas grave. Et attends, j'utilise pas assez la télé. Mais oui, mais oui. Mais je suis bête, moi. C'est vrai que j'ai des leçons en regardant la télé. J'apprends des trucs. Arbre fruitier. Bah tiens, ça tombe bien. Ils prennent toute une saison à pousser, alors planifiez bien en avance. C'est ce que j'ai fait. Si la zone entourant directement votre nouvel arbre n'est pas bien dégagée, ça gênera sa croissance. Putain, il faut pointer comme quoi il n'y a pas de merde autour. Une fois que votre arbre fruitier est arrivé à maturité, il produira des fruits délicieux pour vous tous les jours, durant la bonne saison. Mieux vaut commencer à économiser. C'est déjà fait. 10 de bonne aventure. Bulletin météo, je veux bien. Et maintenant, les prévisions météorologiques pour demain. Il va pleuvoir toute la journée. Ouais. J'aurais pas arrosé. Ouais. D'ailleurs, faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Ah merde. J'ai un bilan que si je vends un truc la veille.
Moi, je m'attendais à avoir le tableau, mais j'ai zéro là, comme j'ai rien vendu. Alors attendez, je vous lis, je vous lis, je vous lis, je vous lis. Oh là là, quoi? Comment ça, est-ce qu'il coûte? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, mais qu'est-ce qu'il y a quoi? Alors, Christella est arrivée et à partir de là, j'ai décroché dans le chat. Torata dit je verrai car c'est toi, c'est écrit en anglais, soit en allemand, donc du coup facile. Ah oui, pour les robots, d'accord, oui, c'est pas en français. Fais pas trop chaud, ok. Profite du matin frais avant de tout fermer cet après-midi. Tu m'étonnes. Pareil pour moi. Nashaven, il y a Christella. Je suis sorti ce matin à 9h30. Il commençait à sentir la chaleur. Ça va cogner dur cet après-midi. Ouais, ouais, faut faire gaffe. Oui, bah faut qu'on survive. Attention à pas te transformer en gelée qui traîne au sol. Oui, alors tiens. Vous, alors, c'est marrant que vous parlez de gelée. J'ai deux pots qu'on m'a offert. J'ai des artisans dans ma famille, un peu comme Stardew Valley là. Et on m'avait offert, il y a 2 ans de ça, j'avais gardé deux verrines de gelée. J'ai peur de devoir les jeter. Parce que j'ai manipulé la verrine de gelée il n'y a pas longtemps, qui est au sec, dans un meuble, à l'abri de la lumière. Il fait tellement lourd et chaud que la gelée est redevenue liquide. Je sais pas si c'est une bonne chose. Mais c'est là où le truc va devenir alcoolisé, ça va fermenter, je vais avoir de la de la gelée confiture à l'alcool. Je vais être complètement défoncé quand je vais la consommer. Alors attendez, oui, vous saluez entre vous. Je fais de la couture. Ah, bien. Bien, bien, bien. Je vois qu'il y en a qui ont plein de talents dans le chat. Ah, c'est bien. Ouais, pourquoi je peux pas revenir au jeu? Ah, j'avais pas eu focus sur la... Oui, le chien, t'es le plus beau chien. Oh là, va pas monter sur le lit, je te vois venir, vilain. Alors, il pleut, c'est cool. Courrier, moi je veux des chapeaux, ok? Quoi? Salut, moi je vends des chapeaux, ok? Viens, la vieille, vieille, vieille maison, ok? Apporte des pièces, souris, chapeau. Alors, la vieille, vieille, vieille maison... voilà, je sais pas où elle est. C'est très bien, tu vas coudre quoi? Ouais. À une époque, quand j'étais en BTS étudiant, mais j'avais pas le temps, mais j'avais l'envie d'apprendre à coudre. Et je me souviens que j'avais fait rire Sophia dans ma classe, parce que je crois que j'étais parti dans un projet pour coudre je sais plus quoi sur un soutien-gorge. Mais je pourrais plus dire quoi. Mais j'avais une idée. Elle était morte de rire à l'idée que je puisse me mettre à coudre des soutiens-gorge. Mais je sais plus comment m'était venue l'idée. Mais c'est un truc que j'ai pas eu le temps de faire. J'ai un vague souvenir. Mais pourquoi? Je sais pas pourquoi. Bref. Alors, il pleut, j'ai les graines de planter. Bah, pêche. Ça va être une journée de pêche, à mon avis. Ma canne à pêche, je l'avais. Quoi? J'ai encore un message? Oh là! Oh là là, je peux avoir plusieurs courriers un même jour. Bonjour Samantha, comment se passe la vie à la campagne? Je me sens seul sans toi. Mais je suis fier de ce que tu fais. Je t'aime, papa. Oh, c'est mignon! Post-question, j'ai trouvé une enveloppe avec de l'argent de grand-père. T'as laissé 500 balles. Ah, bah merci. Mon réfort, je... Allez, là, ma canne à pêche. Je vais aller pêcher par des... nouvelle marque, le soutien-gorge de Nancy, ouais. Mais je sais plus. Quoi? Je me sens seul sans toi. Ok. Oui, non, c'est Stardew Valley, le courrier. Mais c'est mignon, c'est une relation père-fille. C'est Mimi. Non, je pense pas qu'il fallait le voir de manière... Oh! C'était quoi ce bruit? J'ai entendu un... Oh! On aurait dit un fantôme.
Je pense que vous l'avez entendu aussi. Ça a turbiné dans ma tête, désolé, trop tard. Bah bravo. Aïe aïe aïe. Non mais le coup du soutien-gorge, je vois vraiment ma camarade de classe qui se marre quand je lui annonce ça. Mais moi je me vois plus pourquoi je m'étais mis en tête de faire de la couture sous soutien-gorge, je pourrais pas dire. Je sais plus. C'est vrai que dit comme ça paraît vachement saugrenu. Mais je sais plus. Surtout que démarrer dans la couture un soutien-gorge, ça doit être ce qu'il y a plus balèze. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui m'était passé par la tête ce jour-là. En général, quand tu te lances de la couture, tu commences sur un truc de base, un drap ou je sais pas quoi. Pour faire ta première main, t'essayes de faire je sais pas, de fusionner un truc en patchwork, un truc pré-vendu, de motif que t'essayes de coudre à une pièce de tissu basique, carré. Histoire de faire une pseudo-nappe patchwork. Je pense qu'on démarre comme ça quand on fait de la couture. Enfin, j'émets des hypothèses alors que je connais même pas la discipline, mais bon, bref. Ah, ça mord. J'ai du poisson. Merde. Ah, j'ai cru l'avoir. J'avais la prétention d'avoir le poisson, et puis... Ah, bien. Je rentrerai pas simple à voir qu'un extraordinaire. Oui, bah ouais. J'ai une cousine qui fait... qui a la chance d'être à la retraite depuis quelques années, et même en dehors de la retraite. Elle est douée en... Elle est douée en tout ce qui est aiguille, mais pas que la couture, la grosse laine. Et elle fait des trucs vachement bien. Les rares occasions où je peux la voir chez elle, en général, elle passe une heure en mode exhibition à me montrer ce qu'elle a fait les derniers mois. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est douée. Je me souviens qu'elle avait fait des dés en laine. Alors quand vous avez un chat, comme c'est son cas, c'est évidemment un jouet formidable pour le matou. Mais ça présente bien. Vache! Ah, c'est pas évident du tout. Oh, une barbotte. Je savais même pas que ça existait, ça. C'est une barbotte. Je change de localisation parce qu'au moins ça me fait du... Ah bah je vais pêcher toute la journée. Ça me bouffe pas tant d'énergie que ça. Eh mais attends, j'ai à récolter les choux derrière moi là. Ils sont mûrs les choux derrière. Bah alors, ça mord plus. Oh merde. Il faut peut-être que je sorte de mon point d'eau chez moi. Je vais peut-être aller dans la rivière, ça marchera mieux. Attendez. Je vais me barrer dans le village, là où il y a la rivière, dans les bois. Je pense que j'aurai des meilleures prises le temps de me faire une après-midi pêche. J'aime bien le logo Orage Flotte dans la météo. Dans l'interface du jeu, c'est rigolo. La rivière, elle est en bas, là. Normalement, je devrais arriver sur la rive. Ah, je la voyais pas aussi loin. Voilà, là ça devrait marcher, là je pense. Ou pas. Ou alors c'est vraiment que j'ai une canne à pêche de merde, et c'est ma canne à pêche de début qui m'a été donnée. Qui a peut-être été retrouvée dans une poubelle, c'est le truc dégueulasse. Ah! Oh, c'est quoi ça? Attends, j'ai un cadeau. Ah bah j'ai eu le poisson mais pas le cadeau. Ah, une halose. Attendez. Le pêcheur. Il faut que j'aille à la plage. Le pêcheur, il va me demander du matos. J'ai un peu de thunes, je peux peut-être acheter une canne à pêche de meilleure qualité. Oh, attendez. Ah oui mais non, mais il faut que je garde mon fric pour les graines d'été, moi. Non,
J'ai gardé mon fric pour les graines d'été, j'ai investi dans l'arbre fruitier. Non, faut que je fasse gaffe. Parce que si je me retrouve sans le sou en début de saison, c'est une grave erreur stratégique. Il faut que je fasse la pêche une autre année. Ah merde, j'ai plus de place. Oh bah je vais jeter le journal. Tant pis, hein, je vais jeter le journal parce que... Ah, j'ai un petit sac. Faudra que j'achète des extensions, je sais pas comment. À mon avis, le truc va valoir une blinde. Wow! Mais il est vachement vif, lui! Je sais pas ce que c'était. Non, je vais pas pêcher sur la terre, non. Ah mais non, mais je suis con. Je relance, mais j'ai plus de place. Il faut que je rentre chez moi. Ah merde. Non, mais non, je vais ranger ce que j'ai. Ah, crotte. Ah, puis le temps de faire l'aller-retour. Ouais. Ah, pas fut-fut. Moi, j'aurais dû y aller en vidant mes poches avant. Ouais, c'est pas tout, mais de remonter tout le terrain, l'heure tourne dans le jeu. Hein. Là, je perds du temps. Allez, je fous ça là-dedans. Je ferai le tri plus tard. C'est pas pour rien que j'ai fait des boîtes à gogo. Hein. C'est pour me vider hein, les poches rapidement. Hop. Et rien que mon matos, ça prend la moitié de mes cases. Donc ça va pas loin. Ah, les herbes m'empêchent de passer. Vite. Ah, je vais peut-être aller sur le petit ponton en bois. Ça va peut-être mieux d'être sur le ponton en bois, je serai au beau milieu de la rivière. Eh, bien, bien, bien. Cool. Génial, une halose. Attends. Là, je suis sûr que ça donne à mort. Parie combien que ça donne à mort du poisson. Je suis au beau milieu de la flotte. Ah bah non. Oh, je suis déception. Non bah je me barre ailleurs. C'est une catastrophe. Ah, là-bas il y a de la profondeur. Je veux le trésor. Je sais pas ce que c'est. Allose, nouveau record, 76 cm, cool. Et le trésor, c'est une pierre. C'est pas très gentil, mais pourquoi pas. La vache, c'est dur. Je donne des tout petits à-coups de... À mon bouton, je joue même avec mon ongle de pouce pour pas trop appuyer. Et c'est bien pensé, hein, leur système de pêche. C'est vraiment une épreuve. Ça demande de la concentration. Mais c'est quoi ce chant de... On dirait des esprits. Les esprits me parlent. Là, je fais des rituels hindous, indiens, pour parler avec les morts. elle va devenir une sorcière, elle va faire des incantations. Ah, mais hey, y a le sorcier, là, le mec qui m'avait fait boire la potion de sapin, là. Il est à l'extérieur du village, le mec. Il habite dans une tour, je suis pas lui rendre visite. Il peut peut-être m'apporter quelque chose, le gars. Bon, vu l'heure, je vais m'entrer. Attends, je tente encore. Comme il me reste une case de libre. Mais à 20h, je rentre au bercail. Enfin, si ça mord. Ah, ça mord.
Dorade. Cool. Eh ben magnifique. J'aurais fini ma séquence pêche sur une dorade. Oh la vache. Les herbes, je peux pas les patater là. Il y en a trop. Tant pis, l'inventaire plein, tant pis. Je récolte pas l'herbe, mais. Non, faut que je passe par là. C'est quoi ça? C'est un trou, c'est quoi? Ah oui, c'est là où j'avais donné un coup de. Ok. Ah, j'avais dit que j'avais ça à récolter dans mon dos. Inventaire plein, merde. Attendez. Attendez. Je vais me vider les poches, j'arrive. Je vais me vider les poches. Tac. J'espère que le poisson ne pourrit pas. Ah, attends, je recours dans mes champs. Voilà. Alors ça, pour le coup, je vais le vendre dans ma caisse de d'export. Exportation. Oh yeah. Le chien fait dodo. Ah, dis-moi qu'il va pleuvoir demain. Ah merde. J'avais pris goût à ne pas arroser. D'ailleurs, je vais ranger ma canne à pêche. Histoire qu'elle me m'encombre pas l'inventaire pour rien. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Ah! Oh! Plus 1. Ah, putain, j'ai tellement pêché qu'il m'a donné plus 1 en niveau de pêche. Trop bien. D'accord, donc la pluie c'est fini pour cette semaine. Ne pas oublier la gamelle du chien, ne pas oublier la gamelle du chien. Mon désespoir de cause, j'irai voir le vendeur, la pierre. Est-ce que c'est l'avant-veille ou la veille qui commence à proposer les graines d'été? J'ai pas vraiment le coup d'œil pour voir si un plant est arrosé ou pas. C'est pas facile de voir la différence de couleur. C'est bien pensé, hein. Mais c'est pas facile de voir la différence de couleur. Oh! Si j'arrive même plus à remplir mon arrosoir, où va-t-on? C'est bon. Le chien. Zou, ta gamelle. Oui, t'as un bon toutou. Ah non, Zeus! Il s'appelle pas du tout Canigou, il s'appelle Zeus. M'en souvenais pas. Tiens, c'est bizarre, on me l'a offert un jour d'orage ou. Tiens, je crois que j'avais appelé Canigou. Ok, Zeus. Je sais plus quoi faire. Pardon. Je vais peut-être bûcheronner. Oula, oui, le chien heureux. Nom de Zeus, c'est ça. Oui, je sais pas pourquoi je l'appelle Zeus, moi. Oh là. Je fais de ces trucs par moment. Ou alors quelqu'un me l'avait suggéré dans le chat et je m'en souviens pas. Ou le jeu lui-même m'a peut-être suggéré le nom là, et puis j'ai validé bêtement. Possible. Non, c'est comme dans Minecraft. Je vous rappelle qu'il y a un chat dans Minecraft, dans notre partie commune. Je vous avais demandé un nom de chat, j'étais pas inspiré le jour-là, et vous avez été plusieurs à me répondre. Donc du coup, pour ne vexer personne, j'ai fait un conglomérat, souvenez-vous, de la première syllabe de chaque proposition faite.
Et ça a donné Karakovu Moshi. C'est... waouh. Un nom très original. Le Karakovu Moshi. Ça m'a marqué tellement que le nom est délirant. Minecraft que j'ai pas diffusé non plus depuis un bail sur mon antenne. Je parlais de Tezo pour dimanche dans 8 jours, mais Minecraft aussi. Oui, c'est cool que j'ai pas fait du Minecraft dans ma semaine de jeu, tiens. J'en suis presque au regret. Trop tard, dommage. Oui, oui, oui. Oh là là, on a complètement mis au rebut Minecraft, bien malgré moi. Sûr, j'y rejouerai la semaine prochaine en soirée. Obligé. D'ailleurs, je crois qu'il y a... Je vous remercie, hein, vous êtes adorables. Il y a l'un d'entre vous qui m'a balancé en message privé Discord le pourquoi j'arrive pas à générer des... Salutations, nous avons le plaisir d'accueillir Dragonsky. Bonjour Dragonsky, j'espère que tu vas bien. La classe Dragonsky, il s'annonce lui-même. Mais c'est bien, t'abuses pas de la commande, donc je laisse, c'est rigolo. Ah oui, c'est bien, ça me fait des tonnes de graines. Ah bah tiens, je vais aller les replanter dans le village. Oui, je disais, il y a quelqu'un qui m'a balancé très intelligemment en message privé Discord le comment du pourquoi j'ai pu le mode dieu là dans Minecraft. Pourquoi les créatures, j'arrive plus à les invoquer. J'ai pas encore pris le temps de lire. Il faudrait que je regarde avec ça, avec attention, en soirée, la semaine prochaine. Si ça peut me permettre de résoudre mon pépin de génération de créatures, ça va me relancer dans mon envie de me programmer des trucs pour vous et pimenter notre aventure Minecraft. Merdome, je suis en train de me dire que je suis pas dans la bonne partie du village pour le planter les arbres. Ah, il y a le... Ouais, mais non. Moi, j'avais dit que j'ai gardé ma thune. J'étais en direction du... J'étais en direction... J'essaie de mettre des graines là où il passe pas, parce que j'ai vu que s'il marche sur mes graines, il les éjecte. Ouais, il y a personne qui vient là, je suis sûr. Je suis sûr que je peux mettre plein d'arbres ici, sur la rive. Allez, où est-ce que j'ai vendu ? Bref, je vous tiendrai au courant. Ah, j'ai gagné un déchet. Qui servira forcément à quelque chose, mais pas maintenant. Allez, je fais... c'est horrible. Je fais la tournée des poubelles. Ah, il faut que j'aille voir le vendeur aussi. Attends, mais eux... Enfin, eux, c'est le mal. Mais, ils vendent quoi, eux? Oui, bien sûr. J'ai acheté un papier peint à la couleur de l'entreprise. Non mais faut arrêter la fumette. Printemps. Non mais... Ouais. Oh, c'est glauque en gris. Oh, wow, les gouttes chiottes qu'ils ont au niveau de la déco, eux. C'est une horreur, je me barre d'ici. C'est déprimant. Salut, toi. L'air pur de la montagne est agréable aujourd'hui, oui. Mon marchand favori, la pierre, il est où? Ah bah il est là. Ouais, c'est la fermière Samantha et c'est le beau gosse de vendeur, la pierre, qui fait pas de encore dans les graines d'été. Non bah faut attendre que la saison arrive visiblement. Ah! Sol de rétention. Oh putain, c'est cher. Ah, c'est cher. Ah, revêtement de sol me plaît bien. En fausse pelouse. Ah, j'achète. Ah bah, je vais en faire en paillasson, hein, parce que si c'est 100 pièces d'or le cube, le carré, je vais me contenter d'un paillasson à ce prix-là. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le maire? Ça va pas, monsieur le maire? Tout le monde semble un peu plus heureux le week-end, vous trouvez pas? Oui, bah c'est la relâche. Je possède Far Cry 4 sur PS4, 15 en CD, d'accord. 15 euros en CD. Non mais c'est bien, Dragon Sky.
C'est cool. Alors attention, Dragon Sky, Far Cry 4, je te regarderai pas. Pourquoi? Parce que je ne le connais pas. J'ai commencé à le faire sur PS3. D'ailleurs, c'est le jeu qui fait le plus fumer la PS3, Far Cry 4. Ça la pousse dans ses derniers retranchements. Et d'ailleurs, je crois savoir que la version PS3 de Far Cry 4 est dégradée. Ils ont mis plus de brouillard, moins de décor, parce que ça met en PLS la PS3, tellement que ça demande de puissance de calcul. Bref, j'y ai joué un peu il y a longtemps. J'ai des vagues souvenirs de je tire sur des clébards, j'essaie d'attaquer une forteresse et je me fais déboîter. Donc je te regarderai. Ok. Ah, oh, c'est pas mal. Ok, donc une case, ça fait toute la pièce. Ah bah vu comme ça, ça me plaît beaucoup plus. Ah, c'est sympa. Pardon, j'en reviens vers vous. Le jeu qui me... attends, c'est pas... Non, ils sont pas mûrs encore, les machins. Oui, le chien. T'es un bon chien. Merde, je suis épuisé, mais... attendez, mon arbre fruitier, il est où? Oui, bah, c'est une pousse de rien du tout. Bon, ça va. Non, par contre, je vais te regarder pour le précédent opus Dragon Sky. Je sais que dimanche, tu vas faire du Far Cry 3. Et je te regarderai en différé, parce que je suis pas là dimanche, je suis pas là demain. Je te regarderai en différé, je sais pas quand... Avec grand plaisir, quoi. Voili, voilou. Attends. Je réfléchis. On est samedi. Il fait beau. Dans le jeu, hein, je parle. Il fait beau. Et je suis épuisé. On est à l'heure du goûter. Je suis épuisé. Alors, je peux manger un truc pour me revigorer. Attends, qu'est-ce que je peux faire là? Je vais pas aller me coucher maintenant. Bizarre le trou au niveau du l'estrade plancher de la baraque de Samantha. Je me demande si ça va pas révéler un sous-sol secret plus tard. C'est bizarre. Pêcher, prendre l'énergie. Agriculture, ça prend de l'énergie. Couper du bois, ça prend évidemment de l'énergie. Je sais pas quoi faire. Je suis en train de tourner en rond là. Je suis en train de perdre ma journée. C'est pour ça que je fais pause. Ah, je peux faire de la cueillette. La cueillette ne perd pas de l'énergie. Cueillette. Je crois que ça bouffe pas de l'énergie la cueillette. M'en souviens pas. On va mettre à contribution cette fin de journée pour aller dans la partie prairie-bois là. Et je vais sûrement récolter des trucs à la main. Du moins, j'espère. Ou pas. Ouais. Alors, merde, il y a du bois. Il y a du bois, mais ça va me bouffer. Il n'y a pas une fleur, il n'y a pas... Ah bah tiens, je vais me diriger vers le sorcier. Le sorcier, il est quelque part sur le... au fin fond des bois, là. Elle est pas là, sa tour, au gars? Ah, c'est le chemin pour la fête des fleurs. Alors, ils ont tiré le truc. Il est sur le côté, le sorcier, normalement. Ah, voilà. Là, je suis chez le sorcier. Alors, qu'est-ce que tu deviens, toi? Attention, tu te tiens juste au-dessus d'un puissant champ magique. Ah bon? J'ai construit ma cabane ici exprès. Ah bon? Ah bon? D'accord. Non, je boirai pas de ta potion. J'ai vu des sapins. Il m'a rendu fou. Cet homme m'a drogué. C'est honteux. Je peux rien faire.
Ça, c'est quoi? C'est une table de divination? Oh, pas mal la bibliothèque. Eh, hey, monsieur a bon goût. Oh, qu'est-ce que tu fais? Il y a que ceux en qui j'ai confiance qui ont le droit d'entrer ici. Ah! Ah, ah, ah! Il faut que je gagne la confiance de monsieur. Ça m'intéresse. Il y a des choses à casser, à cacher, cet homme. C'est obligé. Il a trop de savoir et il est trop... pas assez bavard. Merde, il est déjà 20h. Oh, ah, ce quai. Il faut que je retienne le quai. À mon avis, ça va être sympa pour la pêche aussi. Je peux avoir une idylle avec le sorcier. Parce que je sais qu'il y a des couples qui se forment, mais... Il faudra que je regarde dans ma liste sociale si le sorcier est célibataire ou pas. Oh, à mon avis, il doit être veuf, que ça m'étonnerait pas. Eh, j'aime bien. Franchement, le sol en herbe, j'aime beaucoup. Allez, hop, fin de journée. C'était quoi? Pourquoi l'écran reste noir? Ah, cueillette. Compétence H, B sauvage. Fourneau à charbon et graines sauvages d'été. Ah! C'est bien. C'est pas comme si l'été va arriver. Et là, ils vont me dire à la télé... Demain, il pleut. Non? Ah non, il fera beau, dommage. Reine des sauces. Ah, bonjour, c'est moi la reine des sauces. Je suis ici pour vous apprendre une nouvelle recette de mon livre de cuisine secret qui vous mettra l'eau à la bouche. Le plat de cette semaine est... L'omelette. C'est un plat tellement simple, mais si souvent mal fait. C'est tout un art de faire une omelette parfaite. C'est un mélange d'œufs bien dorés et je vais vous montrer ma technique secret. Oh, j'ai appris à casser les œufs. Bah merde alors. C'est con, j'ai pas de poule. D'ailleurs, je sais pas comment on fait pour l'élevage. Là, faudra que je m'intéresse à ça. Parce que l'agriculture, c'est bien, mais je vais l'avoir dans le dans l'ONU, je sens. Je sens que... Merde, j'ai mis un coup de hache dans le... Je suis une buse. Mais non, ils sont pas à maturité. C'est de la pure perte. Parce que demain, c'est l'été, vous allez voir que je vais perdre tout mon profit. Ah, je suis deg. Je suis fait entuber! Là, j'ai bien calculé mon coût. Hop. Ça, ça me fera de la thunasse. Allez, hop. Terminé. J'ai... À part le chien, à lui donner son nom. Bon chien, chien. Voilà, je vais rien planter, c'est la fin de la saison. C'est couillon, excusez-moi du peu. Je peux peut-être aller voir du côté de l'arbre fruitier, m'assurer qu'il n'y a pas de merde qui pousse autour, qui empêcherait sa croissance. Ça, je sais pas ce que c'est. Oh, la bâtisse délabrée, je sais pas ce que ça va donner à l'avenir. Je sais même pas si je pourrais la retaper. Alors, je pense que si, mais je sais pas quand. Bah voilà, il est bien mon arbre fruitier. J'ai qu'à attendre comme un débile. Hôtel de grand-père, ok, génial. Mais hé, franchement, l'hôtel de grand-père, j'ai l'impression que le truc va se mouvoir. J'ai l'impression que c'est une fausse porte. Enfin, une... Le truc va s'abaisser un moment. Je vais mettre 4 trucs dans chaque ramequin. Enfin, un truc dans l'un des 4 ramequins. La pierre d'emballe va se baisser et ça va être un passage dans une grotte. Je pense que c'est plus qu'un enfoncement dans la... Je trouve ça trop louche. Je trouve ça trop louche. Enfin bon, seul l'avenir nous le dira dans la magie Stardew Valley. Au bout de 50 semaines, je sais pas. D'ailleurs, hey, sur le long terme, ce serait intéressant de voir s'il y en a qui prennent leur retraite, s'il y en a qui meurent, ou s'il y a des naissances. Putain, ce serait trop beau qu'il y ait des naissances dans des couples dans le village. S'il y a un truc qui tourne année après année, ça va vachement me plaire. Parce que là, c'est digne, et ça expliquerait peut-être le succès du jeu. Ça ferait un truc du genre... les feux de l'amour. C'est-à-dire, vous devez suivre les vies de plusieurs persos. C'est pas con. S'ils l'ont pensé comme ça, le jeu va me plaire. Sur le long terme,
S'il y a des variantes année après année, ça va beaucoup me plaire. Seul l'avenir nous le dira. Surtout ne me dites rien, mais pardon, hein, je précise, n'allez pas me divulgâcher parce que je découvre le jeu. C'est juste, j'exprime en direct un souhait. Wow! Attends, il y a beaucoup de merde qu'on poussait là. Oh! J'ai une statue de hibou. Oh, je viens pas souvent ici. Bah pourtant c'est ma propriété. Ah, on est en face du truc délabré. Oh. Tiens, d'ailleurs, je vais planter l'arbre. Attends, j'ai une graine. Hop, je vais la planter là, si je peux. Au moins, ça me fera un arbre. Ah oui, mais le gain va tomber dans la flotte. Oh, tant pis. On s'en moque. Bon, bah, génial. Une journée à perdre. Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment on gère les fins de saison. Je vais aller voir Pierre dans son magasin. Il va me dire j'ai pas les graines d'été. Ah, c'est les arbres que j'ai plantés. Eh, le beau gosse. Je vois une fleur, là. Le mec qui aime les fleurs. Vas-y voir que je traîne dans le village et que je sais pas où est-ce qu'il est, le beau gosse. Le bon blond, là, à la fête des fleurs. Il m'a dit, je les aime, les fleurs. Je vais essayer de le draguer, le gars. C'est quoi? Des germes de riz. Germés de riz. Ok. Le riz, ça demande beaucoup d'eau, alors... Ma sœur est tellement bizarre, parfois je me demande si nous sommes réellement de la même famille. Ok. C'est la poupée Barbie du village qui parle. Pop et Mary Pop me dit, je reste en l'heure, je pars faire de la couture. Bonne couture à toi, Pop et Mary Pop. Et merci pour le lurk. Je sens que je vais l'avoir dans l'os. Ouais, c'est les mêmes trucs. Printemps, printemps, printemps. Oh, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Ah, Christella te souhaite bonne couture. Elle t'encourage. C'est chez qui la caravane? Hey! Oh! Le nouveau son de Mano! Pop, 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 yep. Il est bizarre avec ça. Hey! Le beau blond, le bon blond, c'était pas le mec que j'avais vu près de la rivière sur l'arbre avec le téléphone. Il y avait un beau gosse là de blondinet, il est où? Il était pas par là? Oh! Je fouille honteusement les poubelles. Ah! Encore une fleur! Oh, il reste dans le village, le mec, non? Oh, je pense qu'ils ont chacun toutes leurs occupations. Eh! Ah bah non, je vais retourner sur la plage récolter des coquillages et crustacés, mais non, j'ai plus de place dans l'inventaire. Faudrait que je vide mes poches avant de revenir. Mais peut-être que je vais faire, parce que... Ça, c'est le maire du village. Merde. Il y a quoi en haut? Je sais plus. Oh, encore une fleur! Ah, décidément. Il y a la belle fontaine, il y a la blonde Barbie du village, là il y a le parc pour les gamins. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gamins. Là c'est. Ok, c'est quoi ça? Ah, c'est le bordel communautaire à restaurer. Eh ben, il y a du boulot, hein. Je sais pas comment on va s'y prendre, mais il y a du boulot. Ok, il y a plein de vieux bulletins, mais il n'y a rien à lire. Alors là, c'était la banque. Putain, la vache, le coffre-fort, il a la taille d'une bagnole. Ça, c'est des champignons, non, même pas. Alors, cet endroit-là, il est trop bizarre. Mais pourquoi c'est délabré? Pourquoi ils ont lâché le truc? Ça demandait trop de boulot, ou... Et puis c'est pas petit, hein. Il y a un effet maison Pokémon. La baraque en extérieur, elle a l'air tout compacte. Tu rentres à l'intérieur, c'est un hangar d'avion, le machin. Oh là là. Oh là 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 là. Wow. Il y a tout à refaire ici. Tout.
Putain, mais il reste plus rien, le truc il est dégueulasse. Là il y avait. Il y a de la moquette et il y a des rondins de bois. C'est quoi ça? Ah! Ah! Je peux honorer le truc. C'est quoi la flèche? Ah d'accord, c'est pour revenir dans le... Ah ouais, c'est vachement exotique ton truc. Je sais pas où est-ce que tu trouves ton... Ah! Construction. Ah bah tiens, je vais me débarrasser de mes cailloux. Ah, les salopards, il faut mettre les 99 d'un coup. Je peux pas me débarrasser au fur et à mesure, ça c'est chier. Franchement, ça c'est chier. Ça m'aurait arrangé pour vider mes poches sur place. Alors attends, en automne, il y a ça. En été, il y a... Oh, il y a que 3 trucs en été. Bah, pourtant, en été, c'est une saison vachement fructifiante. J'aurais inversé avec l'hiver, moi. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je salue la richesse du jeu. Il y a vraiment l'embarras du choix dans les trucs à faire. Hein. Et à mon avis, j'ai pas découvert la... Enfin, si, j'ai peut-être découvert la moitié. Du moins, j'espère. Mais... Aujourd'hui, je vais simplement me détendre et penser positivement. C'est dimanche. T'as raison. C'est même très japonais ce qu'elle fait de se relaxer au pied d'un cerisier. Elle fait sa séance Sakura Hanabi, là. Ah, c'est la poche trône. Gus et toi, vous êtes amis? C'est un très bon gars. Ouais. Le beau gosse blond, il est où, là? Ça a bougé dans le village. Oh, beau gosse blond, où t'es? Que je t'offre tes fleurs. Ah, il est peut-être sur la plage. Attendez voir. Merde. Ah bah tiens, je pourrais compter ça. Ah! Ah, c'est pas le beau gosse que j'espérais. Bonjour, j'espère que ta nouvelle vie à la ferme se déroule comme tu le souhaites. Eh oui, le prince à Chocobéenne. On t'a reconnu. Eh, pas mal. Ah merde, c'est une truc mûche de haute qualité, là. Non, visiblement, il n'y a pas... Mais il traînait près de la rivière, le beau gosse de Médo. C'est combien, ça? 300. Eh, 300 au bout de bois, c'est jouable. Je me demande même, depuis ma dernière mon dernier bûcheronnage... Ah merde! J'ai loupé un... Ouais, mais je pourrais pas le prendre. Ah, oh, j'ai bien fait. Vous avez trouvé un livre perdu, la bibliothèque s'est agrandie. Bien. Le beau gosse de blond, là, qui aime les fleurs. Oh, j'arrive plus à le localiser. Il était là, il était avec son téléphone portable, si ma mémoire me trahit pas. Il est passé où? Ah, il va falloir que je mémorise qui habite où, parce que... Je vais pas y arriver, sinon. Oh, petit à petit, je finirai bien par mémoriser. Enfin, faut vraiment que je me... Enfin, que je me force. Il faut vraiment que je prenne le réflexe de jouer une fois par mois, parce que... Ma mémoire, elle va... Ah oui, alors, les germes de riz... Ah ouais! Je peux planter le riz, comme ça, direct. Vas-y voir que j'essaye les 2 grains de riz. Ah, trop bizarre le coup du riz. Vous entendez? On a le bruit du queue de la... on a le bruit de la queue du chien au sol. Ils ont même pensé à ça. Excellent. Oh merde. Oh la vache, la chauve-souris qui m'agresse d'office dès qu'il est 20h. Oh la violence. Et ben voilà, j'ai fini ma semaine Stardew Valley. Oh, j'ai débrouillé plein de trucs. Nouvelle recette, clôture bois dur, presse à fromage. Ah ouais, mais là, il faut du lait, il faut avoir des vaches. Donc c'est pas pour moi. Oh, arroseur de qualité. Oh, trop bien. Arroseur de qualité, il faudra que je regarde comment on fait la prochaine fois que je joue.
J'ai trop bien. Partie sauvegardée, c'est l'été. Eh ben, on verra l'été la prochaine fois. On va passer sur Arx Fatalis. Ce chant du coq. Merci pour le GG, Nash. Ah bah c'est bien, j'ai pas trop mal joué. C'est quoi cet air? C'est la guinguette du village. Il joue de l'accordéon. Et René à l'accordéon, allez voir Esmeralda pour les merguez près du barbecue. Les bières sont servies gracieusement par Michel au stand près de la fontaine. Ah mon dieu. Alors, mais sympa, j'avoue que j'ai pas vu, j'ai démarré à je sais pas quelle heure, j'ai fait quoi? Oui, j'ai presque fait 2 heures de Stardew Valley. Non, non, franchement, je reconnais l'aspect poétique de l'œuvre. C'est vraiment sympa, Stardew Valley. Vraiment.